L'association a été créée en 1994. Donc nous avons comme objectif de suivre des salariés en insertion. Donc ils sont tous sous contrat CDDI avec un agrément qui peut durer 2 ans. Donc on les occupe en les faisant participer à des travaux d'espaces verts, beaucoup, c'est notre principale activité. Et pendant leur séjour, ils sont suivis par quelqu'un de spécialisé dans le suivi professionnel. Pour Montmédy, nous assurons tout l'entretien de la citadelle et quelques rues et hameaux de la commune. Plus, nous travaillons sur tout le canton et même nous sortons des fois du canton pour répondre à des appels d'offres. Cette partie administrative qui est une partie assez lourde parce que c'est vrai que occuper les gens, je vous le disais, mais s'en occuper prend beaucoup de temps. Donc il y a une partie suivie qui est assurée par une personne en emploi mutualisé, plus j'ai un contrat tout récent, un CDI d'une personne qui était précédemment en CAE chez moi et qui bénéficiait de 20 heures et là qui est passé en CDI à temps complet. Avant d'être reconnue travailleur handicapé, donc je travaillais comme secrétaire médicale dans un hôpital. Et suite à de gros soucis de santé qui m'ont valu donc 18 mois de traitement, j'ai pu récupérer grâce à Cap Emploi un premier CAE dans une structure médico-sociale en tant que secrétariat. Maintenant je suis à la DPM comme secrétaire administrative, toujours pareil grâce à Cap Emploi qui, une fois mon contrat fini précédent, m'a dirigée vers M. Castellet et qui m'a pris pour un CAE donc de 2 ans avec promesse d'embauche. Lorsque le besoin s'est fait sentir, il y a 3 ans, donc j'ai contacté justement, c'était un emploi qui pouvait être tenu par une personne qui a le statut d'handicap et je me suis adressé au service et qui m'a fait une proposition. L'entretien s'est passé très bien passé, la personne est venue chez moi, donc elle a fait 3 ans en CAE et elle vient de signer son CDI. Après les épreuves, je pense que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Et puis ça m'a donné aussi la possibilité de refaire une formation sur Nancy de remise à niveau dans Word, Excel et PowerPoint. Et puis forcément l'expérience au quotidien car c'est très enrichissant comme activité. Et puis maintenant, savoir que je viens de signer récemment donc un CDI pour un 35 heures et non pas un 20, ce n'est que bénéfice pour moi.